ce que nous avons commencé à vous dire depuis un moment sur pourquoi et comment lire la Bible, nous conclurons par des conseils pratiques pour que la parole de Dieu puisse être vraiment une vie renouvelée, une vie nouvelle en nous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il va nous dire à propos de la méditation de la parole de Dieu, à propos de comment nous pouvons prier la parole de Dieu et de comment nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Et ensuite, comment, inspiré par la parole de Dieu, nous pouvons la transmettre aux autres et la proclamer. Étudier la Bible, lire la Bible, vivre de la Bible, proclamer la parole de Dieu, cela nécessite une certaine discipline. Nous vous avions dit que celui qui veut lire la parole de Dieu doit décider d'un moment dans la journée ou périodiquement, mais de façon régulière, pour lire la lettre que Dieu lui a envoyée par son Esprit Saint. L'Esprit Saint sera là pour éclairer ce qu'il lit, pour le lui expliquer et pour le faire vivre dans sa vie. Nous vous disions qu'il fallait être attentif au genre de texte de la Bible que nous lisons. Genre littéraire, historique, doctrinal, chrétien. Alors, nous avions déjà commencé à vous dire que la lecture de la Bible a pour but de nous faire entendre par les oreilles, puis ensuite d'accueillir dans le cœur ce que nous avons lu et d'en arriver à prier ce que nous avons entendu. La Bible, quand on a voulu commencer par la lire, je vous ai fait des suggestions concrètes de par quel passage, que par quelle partie de la Bible commencer. Nous en étions donc à l'importance de la méditation. Une fois que j'ai lu la parole, que j'ai accueilli cette parole à plusieurs reprises et qu'elle vit maintenant dans mon cœur, cette parole-là, qu'est-ce qu'il faut en faire? Quelle démarche accomplir? D'abord, demandons-nous ce que c'est que méditer. Méditer vient d'un mot latin qui signifie réfléchir. Autrement dit, il faut lire la parole de Dieu avec attention, avec intention. La méditation n'est pas associée à nous-mêmes ou à notre péché. L'objet de la méditation, c'est Dieu. Mon regard tourné vers Dieu, mon attention tournée vers Dieu, mon cœur tourné vers Dieu, mes pensées tournées vers lui. C'est ma méditation sur lui, comme le recommande le psaume 104, verset 34. Il est dangereux de s'occuper de soi pendant la méditation. Il est déprimant de s'attarder sur son péché, mais il est merveilleux d'être habité par Dieu. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Il est donc important, lorsque nous sondons les Écritures, lorsque nous écoutons plusieurs fois la parole, il faut donc chercher des éléments sur Dieu, sur son Fils, leur personnalité, leurs actions, leurs intentions. Chercher la parole que j'entends, si Dieu ne me rappelle pas des commandements, s'il ne me suggère pas des prières, s'il ne me rappelle pas des promesses, s'il ne me dit pas des avertissements ou des mises en garde. Il est donc important que étudier sa Bible soit une démarche très concrète. Lire un crayon à la main, sans barbouiller votre Bible, marquer très proprement dans la marge des repères, prendre des notes, lire les notes en bas de page ou à la fin du livre. Lorsque je prends un verset biblique qui est une vérité de vie pour moi, et que je note cela et que je recopie, ça devient une bénédiction pour moi. Ça va mûrir en moi dans les jours à venir. Je le personnalise. Ce que j'ai découvert, j'en fais un fait personnel dans ma vie. Je vais l'appliquer à moi-même. Je vais utiliser la première personne du singulier. Quand le Seigneur dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, je vais dire, je dois être doux et humble de cœur. Quand le Seigneur dit, faites tout pour la gloire de Dieu, je vais dire, je vais faire tel acte précis pour la gloire de Dieu. S'il y a une promesse de Dieu, je dis, mais confiance, Dieu a promis, et mon Dieu est le Dieu qui promet et qui accomplit. Si je ne faisais pas quelque chose selon la volonté de Dieu, je prends la résolution de le faire. Et enfin, il faut
rendre le message pratique. Les trois démarches que je vous indique sont pas compliquées. Que le message soit clair, que le message soit personnalisé, que le message soit mis en pratique. En m'appuyant sur la lettre de Saint-Jacques, chapitre 1, verset 22-25, lorsque je lis la parole de Dieu, il faut qu'elle entre dans ma vie. Il faut obéir au message une fois qu'on l'a trouvé. Si vous avez découvert que quelque chose dans le texte que vous avez lu peut s'appliquer à vous-même, n'hésitez pas. Déterminez une ligne d'action et suivez-la. Il ne sert à rien d'approuver la maxime. Il faut pardonner aux autres si on n'en arrive pas à pardonner soi-même aux autres. Il faut éviter l'introspection sentimentale. Méditer ne doit jamais ressembler à une simple rêverie. C'est un acte réfléchi. C'est Ignace de Loyola a donné des guides très simples. Une autre fois, nous pourrions vous rappeler cela, mais nous allons nous contenter de ce que nous vous disons aujourd'hui. Jésus a dit que heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la gardent. Cela signifie qu'il y a une tâche qui doit nous incomber. Nous en parlerons, mais si nous voulons nous appuyer sur ce que nous avons écrit ou bien sur ce que la passion, je ne demeure pas un spectateur indifférent. Je participe à ce que Jésus fait. Je réagis. Je m'applique cela. C'est moi qui fouette Jésus. C'est moi qui couronne Jésus d'épines. Et quand j'ai fait cela, je dis, mais ce sont mes péchés qui ont fait cela. Oh Seigneur, je rentre dans la repentance. Pardonne-moi ces péchés. Je continue de les commettre aujourd'hui. Je continue de te couronner d'épines. Je continue de te flageller. Oh Seigneur, donne-moi la force de ton Esprit Saint. Ainsi de suite. Donc, il s'agit de rejoindre Jésus dans l'Évangile, de considérer ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous a promis, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous dit aujourd'hui et ce qu'il attend de nous. Et à la fin de cela, nous devons nécessairement prendre une résolution. La vraie méditation est une rencontre avec Jésus. Quand vous méditerez, a dit la Vierge Marie à Medjugorje, message du 7 décembre 83, la vraie méditation est une rencontre avec Jésus. Quand vous méditerez, vous découvrirez une joie, une paix intérieure. La prière veut dire chercher Dieu. Ce n'est pas seulement réciter le rosaire. La prière veut dire ouvrir l'Évangile et chercher à être cette parole écrite dans l'Évangile. C'est magnifique que ce soit la Vierge du Rosaire qui nous donne cette leçon-là. Permettez-moi de la répéter. La prière veut dire chercher Dieu. Ce n'est pas seulement réciter le rosaire. La prière veut dire ouvrir l'Évangile et chercher à être cette parole écrite dans l'Évangile. Oh, merci Marie, Vierge de l'Ave Maria, de nous donner cet enseignement-là qui est très important pour notre propos. Bref, d'après ce que le lecteur de la Bible a dit, il suggère de réfléchir au texte. Et des questions sont posées dans le lecteur de la Bible pour cela. Lisez l'explication du lecteur de la Bible. Choisissez le plus beau verset ou les mots qui vous parlent le plus. Copiez-les dans un carnet. Pensez-y pendant la journée et redites-les à d'autres pour que la parole de Dieu réside en vous en abondance. Ils sont en train là de nous indiquer la manière dont on doit mémoriser les paroles de l'Écriture. Oui, mémoriser, c'est garder la parole de Dieu dans mon cœur. C'est la prendre par cœur. C'est important, frères et sœurs qui m'écoutez. Si vous n'en avez pas l'habitude, prenez ça au sérieux et décidez quelque chose aujourd'hui. Dans certains cas, c'est la parole de Dieu mémorisée en soi qui est l'arme du moment pour attaquer un esprit mauvais qui peut vouloir faire des dégâts chez quelqu'un ou sur vous. Il existe un moyen facile de mémoriser les Écritures. Mettre à part chaque jour un certain temps, les minutes que vous passez à préparer, au moment même de votre toilette, écrivez les versets que vous voulez apprendre sur une petite carte, fixez-la sur votre miroir que vous regardez inévitablement, écrivez ces versets en prenant soin d'inscrire la référence à la fois, avant et après les versets. Encadrez le verset par les références bibliques. Par exemple, vous voulez mémoriser Jean 3, 16.
dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je mettrai donc, avant d'écrire ce verset, Jean 3, 16. Et après l'avoir écrit, je mettrai encore Jean 3, 16. Donc, il faut vous limiter à deux ou trois versets, j'allais dire par semaine. Ensuite, lisez à haute voix ces versets plusieurs fois, jusqu'à ce que vous puissiez les réciter parfaitement, les yeux fermés. Et dans vos conversations, faites revenir ces versets-là. Oui, en faisant cela, une fois, plusieurs fois par jour, de nouveaux versets viendront enrichir votre panoplie, votre équipement de paroles, semences de vie, semences de puissance de Dieu en vous. Après avoir noté comme cela, il faut prier, transformer en prière ce que vous avez médité. Y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir? Sur quel point le Seigneur veut que je change? Est-ce que le Seigneur veut me faire croire et obéir à quelque chose? Y a-t-il quelque chose pour lequel le Seigneur veut que je le remercie et que je le loue? Y a-t-il pas quelque chose que le Seigneur me suggère de lui demander? Enfin, il faut obéir. Allez et mettez en pratique ce que Dieu vous a dit. Il faut prier la parole de Dieu en assemblée, dans sa prière personnelle. Mémoriser les versets bibliques nous mettre en contact avec le Seigneur, c'est-à-dire la parole vivante de Dieu, c'est-à-dire Jésus lui-même. Et pourtant, il y a quelques précautions qu'il faut prendre pour utiliser la Bible. Permettez-moi de vous les rappeler. D'abord, pas de fondamentalisme. Le fondamentalisme consiste à lire la Bible des yeux avec notre intelligence humaine et à prendre à la lettre tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. On voit des gens qui s'appuient sur la parole de Dieu pour compliquer la vie chrétienne aux autres. Dans certains groupuscules, dans des sectes, ils en arrivent à dire que il faut changer le comportement des gens, qu'il ne faut même pas porter de bijoux pour louer le Seigneur. Ils dépossèdent les gens de leurs bijoux et c'est eux qui disposent des bijoux. Il faut faire attention à ces démarches fondamentalistes qui fait croire que simplement parce que c'est écrit dans la Bible que l'Esprit-Saint ne doit plus nous éclairer quand nous devons lire et mettre en œuvre et en pratique cette doctrine-là, ce qui est dit. Le fondamentalisme peut conduire à l'intégrisme, au sectarisme, à la violence, au nom de Dieu. Attention donc à nos démarches fondamentalistes, c'est-à-dire que beaucoup s'appuient directement sur la Bible sans demander l'interprétation de quelque autorité reconnue, avisée. Ils décident que c'est ce qu'ils ont lu qu'il faut appliquer. Cela a contribué beaucoup à créer beaucoup de sectes. C'est pourquoi nous vous disons, soyez sur vos gardes.